aujourd'hui, nous aussi, les caméramans, moi, inclus tout le monde dans l'équipe, depuis le matin, on lui dit qu'on est malade, on ne veut pas travailler. Depuis le début de Ramadan, il n'a jamais fait la rupture chez lui. Jamais, jamais, jamais. Il fait toujours la rupture en train de travailler, en train de faire les surprises pour les gens et tout. Donc aujourd'hui, l'équipe de Conakry Nouvelle a annulé ses rendez-vous juste pour lui faire une surprise à lui aussi. Nous avons deux surprises dans l'émission. La première surprise, c'est quoi? Parce que nous venons voir comment il fait sa rupture chez lui. La deuxième, c'est que nous nous sommes organisés à préparer quelques plats pour lui, pour lui faire plaisir. Surtout ses plats préférés pendant le Ramadan. Alors, vous avez deux surprises aujourd'hui. Parce que nous nous disons qu'il se bat corps et âme, nuit et jour, pour faire des surprises aux gens, pour faire plaisir à ses fans, à ses téléspectateurs. Pourquoi ces téléspectateurs aussi n'auront pas la chance de savoir ce que lui aussi il fait chez lui? C'est que lui aussi il vit en réalité chez lui. Alors aujourd'hui nous allons vous faire la surprise, vous montrer ce que Aboubacar Souma, le PDG de Conakry Nouvelle, comme tout le monde le connaît, alors venez, on va vous montrer la surprise, les deux surprises pour vous. On ne veut pas qu'il sache qu'on est en train de venir chez lui. Arrivé chez le grand PDG de Conakry Nouvelle. C'est une surprise. Ça va? Ça va, ça va. De Conakry Nouvelle, Aboubacar Souma. On va vous montrer ce que l'équipe a fait pour lui. Au fait, on a deux surprises. La première, on a cuisiné pour toi. C'est la première. La deuxième, tes fans sauront que PDG aussi a une famille. PDG aussi est un père de famille. La surprise est là. Avant d'ouvrir notre surprise, je vais te demander, c'est quoi ta sauce préférée? L'arachide. L'arachide. Ah, le loup! Voilà, j'ai fait de l'arachide. Oh! Qui se pourrit? Voilà, de l'arachide, du riz, bande, balabare. Amou bara au Togo. Bara. Ça, c'est de la bouillie préparée avec de l'arachide. My God. Et enfin, poisson à la braise, frites et puis de la salade. Tu es content? Tu te sens comment? Je peux rien dire. Merci à toi. Merci. Oh, t'as On est avec Monsieur Surprise, tes téléspectateurs. Voilà celui qui fait des surprises tous les jours pour vous. Il est là. Alors, comment tu te sens maintenant? Voilà, c'est son fils, viens. Merci. Tu le savais? Non, pas du tout. Voilà. Qu'est-ce que tes caméramans t'ont dit? Ils sont malades. Moi, j'ai annulé tous tes rendez-vous. Oui. J'ai fait aujourd'hui, j'étais très fatigué. Nous avons passé la nuit au studio. Mais je ne m'attendais pas jusqu'à 11h. Et moi, j'ai dit quoi au téléphone? Tu m'as dit que tu viendras travailler et nous allons faire le direct. Mais dire à Desaïd de me laisser le temps de se reposer. Bien mais sûr. Je ne m'attendais pas. Depuis son mariti, Aboubacar Souma n'a jamais fait la rupture. Je n'ai jamais fait la rupture. Aujourd'hui, tu vas faire la rupture chez toi. C'est l'équipe qui m'a dit non, on se repose aujourd'hui. Il y avait quelque chose. Ouais. D'abord, je remercie tous les téléspectateurs, tous les fans de Conakry Nouvelle. Les mots me manquent. Je remercie Djunkou, je remercie Saranké. Les complices. Elles ont cuisiné. Hein? Ah oui. Oui. Vous avez vu, entre moi et Dieu, je n'étais pas au courant, mais Kali a l'intérêt d'envoyer les sacrifices parce qu'elle-même sait que je ne suis pas tranquille chez moi. Donc, venez, je vais vous montrer ce que moi j'ai préparé chez moi, ce que j'ai l'habitude de manger. Voilà. Ça, voilà. Laisse-moi, c'est à moi d'ouvrir. Voilà. Il est l'heure de la prière. Voilà. C'est à moi d'ouvrir, de déballer. Ouh, ça c'est du poulet. Ça frites. C'est du poulet, frites. Et il y a la sauce. Mm-hmm. Voilà, ça c'est pour la Voilà. De l'autre côté. Voilà.
C'est la même chose. Moi, je t'en dis, c'est la même sauce. C'est la même sauce. C'est la même sauce. Bien. Voilà, c'est ce que mes enfants aiment. Ça, c'est du riz. Voilà, ça, c'est du riz. Okay. Oh, mais ça, c'est quelle surprise avec le pain. Voilà, mes amis. Il est l'heure. Mais pas, oui, il est l'heure. De la prière. De la prière. Fatia. Wanga voto benira wona salim. Mufa wanga mama kolo mvi hab. Ifan vato Fatia galen. Non, y a pas de problème. Non, avant la prière. Non, 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 moi c'est mon fils qui va le faire. Tu fuyais les caméras et puis tu allais tana wona salim. Comment? Oui, moi c'est mon fils, c'est lui qui me fait prier. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Combien tu veux? D'autres, bêtes, souris, bêtes. ما لكم تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والوالدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية ظالم أهلها وجعل من لدنك وليا وجعل من لدنك نصيرا. Ça te va? Bien. Moi j'ai une question. Est-ce que le caméraman l'a regardé là? Le caméraman. Voilà. Ça. Enchanté. Enchanté. Kadi, tu m'as eu aujourd'hui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahu Akbar. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خير لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وأخدد يحسب أن ماله أخلد كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المحدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في أمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes chez notre PDG. Comme je vous le disais, nous avons deux surprises. La première est quoi? Toute l'équipe de Conakry Nouvelle s'est réunie pour faire Sounavati pour le patron. Et la deuxième surprise, c'est que vous aussi, vous allez voir sa grande famille, vous allez voir chez lui, vous allez voir comment lui aussi fait la rupture. Alors, il est venu dire, t'es en train de vous faire aider. Non, c'est pas possible. Tes émotions par rapport à la surprise, tu te sens comment? Je ne peux pas. Et maintenant, j'ai compris aujourd'hui que la surprise, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas évident. Moi-même, j'ai goûté. Oui. Alors, tout le monde te regarde tous les jours, tu donnes du sourire aux gens et tout. Comment tu fais pour avoir l'énergie? Parce que depuis le début de Ramadan, je vous rappelle, il n'a jamais fait la rupture aujourd'hui. Alors, comment l'énergie, la vie en toi pour faire tout ce boulot? Tu passes la nuit au bureau à faire des montages, la journée sur le terrain pour donner juste du sourire aux téléspectateurs. Et la force vient d'où? La force est simple. Parce que tous les prophètes et tous les saints l'ont dit que quand on a le courage au fond du cœur, on finira toujours par gagner. Toutes choses que tu entreprends dans cette vie, il faut avoir le courage. Quand tu décides, tu dis non, je vais marcher jusqu'à Matoto, tu le feras sans véhicule. Dès que tu décides, il suffit seulement de décider. Moi, je me suis sacrifié. Aujourd'hui, c'est quand je regarde la population guinéenne, ça me fait pitié. Pourquoi? À chaque fois, quand tu regardes les réseaux sociaux, c'est des vidéos très bizarres que tu rencontres où des gens s'assoient parce qu'aujourd'hui tout le monde peut faire l'écrit, il poste, chacun peut faire sa propre télé. Moi je me suis dit non, il faut donner sourire au Guinéen. C'est ce que le Guinéen a besoin. C'est ce que le Guinéen qui est à l'extérieur, on a besoin de regarder, connaître la vraie réalité.
C'est ça. Que tu as commencé ce métier de journaliste et que tu as commencé l'émission de Conakry Nouvelle à donner le sourire aux téléspectateurs, à faire rire les gens. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis là? D'abord, la première difficulté, quand j'avais créé Conakry Nouvelle, c'était Conakry Nouvelle est créée en 2013. 2013-2020, ça fait 7 ans Conakry Nouvelle, l'histoire que je te raconte. Un jour, un ami, mon Melamine Diallo Lolo, il est venu, je l'ai appelé, je dis, mais Joe, quand tu regardes les Ivoiriens, tu regardes d'autres pays, ils ont des plateformes de faire la promotion de la culture, mais nous ici, il n'y en a pas. Est-ce que nous, on ne peut pas s'organiser? Au fait, au lieu que les comédiens passent leur temps dans les sabbats, on essaie de les regrouper, on les pilote. Si quelqu'un peut faire inviter ou il veut avoir un comédien, il passe par notre structure. Nous, on dit, voilà, tu veux tel comédien, voilà son prix, voilà, c'est comme ça. Jusqu'à ce que chacun, on essaie de valoriser le métier. Mais hélas, nous avons créé CNC. CNC, ça c'était Conakry Comedy Club, CNC. Nous avons fait une première réunion en Fougou-Fougou avec certains comédiens. Bon, ça a été un peu... On avait commencé à tourner les plateformes. Il y a d'autres... Il y a, au niveau de Brifaga, c'est là-bas qui était le plateau. On avait commencé à faire des stand-up, des one-man show avec mon Melamine, Sissé, Guinée-Kabé et Kabakoudou. Mais arrivé à un certain niveau, il y a d'autres comédiens qui ont pris le nom Guinée-Comédie. Ah, je les ai appelés, j'ai dit, mais Joe, moi je vous ai parlé un projet, mais aujourd'hui vous avez fait Guinée Comédie. J'ai dit, ok. Je les ai dit, mais le projet là, c'est un projet à long terme. Ce n'est pas un projet à court terme. Vous pouvez prendre le nom, mais moi j'ai toujours le... Quand tu... Ah, ce qu'on dit en sous-sous là, il ne t'aurait pas l'air quand même à dire ça, quand même on est barré. Voilà. Est-ce que tu vois? Donc, j'ai dit, ok. J'ai réfléchi, réfléchi. Quand j'ai dit Guinée Nouvelle, j'ai dit non, il y a plusieurs Guinées en Afrique. Guinée-Conakry, Guinée-Équatoriale, Guinée-Bissau, Nouvelle-Guinée. J'ai dit, les gens sont confus dans leur tête, quoi, pour retrouver réellement l'identité. J'ai dit maintenant, et si je disais Conakry Nouvelle, parce que Conakry n'existe pas, Conakry nulle part, c'est l'Afrique. En Afrique, il n'y en a pas un autre nom qui est Conakry, non. C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire de se reposer sur le nom de la capitale. Non seulement, quand je dis Conakry, tout le monde comprend. Même si c'est un Chinois, il sait que Conakry, c'est Guinée. Je dis Conakry Nouvelle. Maintenant, on fait allusion à la Guinée. On veut dire mais la Guinée Nouvelle. C'est-à-dire que tu dis la capitale, c'est on fait allusion à la Guinée. C'est ainsi que le nom est apparu. Pour la première fois, la petite histoire, quand on était parti à la RTG, on avait commencé à envoyer des... J'avais commencé à imiter certains journalistes, mais ça n'a pas trop intéressé. C'est quand Aya avait organisé l'année dernière la rencontre avec les anciens techniciens et machin, j'ai dit, attends, le projet que j'ai créé depuis 2007-2013, là, est-ce que je ne peux pas commencer à faire ce projet? Je suis allé là-bas, ils m'ont dit, non, tu vas jouer. J'ai dit, non, aujourd'hui, là, j'ai quelque chose que je vais présenter. Parce que j'ai pensé un peu, il y avait des anciens, des vieux techniciens à la RTG, tels que les vieux Bekai, il y a plein de vieux qui devraient jouer. J'ai dit non, je vais essayer d'aller prendre leurs images pour les faire immortaliser un jour. J'ai pris un caméraman, j'ai dit bon voilà, accompagne-moi. C'est ainsi qu'on avait commencé à interviewer dans les différentes langues et les vidéos se retrouvent sur YouTube. Arrivé maintenant à la RTG, chef Alfred a vu, il dit ah, ça c'est un bon truc, il peut faire quelque chose. Il a appelé Binta, Binta a montré ça à notre chef de programme, Sanou. Sanou a dit oui, quelque chose, ça peut, on peut essayer. Ils ont lancé, pan, le premier numéro, paf. C'est là que tout a commencé. Et maintenant, j'ai créé immédiatement la page Conakry Nouvelle. J'ai vu que les gens commencent à commenter parce que c'était comme ça. Jusqu'à ce qu'on est venu aujourd'hui et jusqu'à vous aussi, vous êtes venus. Alors, ça, c'est une longue histoire. Comme vous le comprenez, il a fait du chemin, du parcours pour que nous, nous soyons là aujourd'hui, pour que les caméramans, l'équipe de Conakry Nouvelle soient là. Il faut juste nous dire, je veux savoir l'histoire qui t'a marqué de plus depuis 2007, la création de cela jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours des problèmes que tu as eus, mais le problème le plus dur que tu ne vas jamais oublier parmi cette période, tu peux nous partager ce. Et j'aime pas en parler deux fois. Le plus dur. Le plus dur. On veut savoir, au fait, le plus on dur. Sait que tu passes beaucoup de difficultés, oui. Beaucoup de problèmes, mais on veut savoir le plus dur. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans ce métier, parce que j'aimais beaucoup ma maman, on était très d'accord. Très d'accord. C'est quand j'ai perdu ma maman en 2009. Amen. Ce qui m'a un peu... Donc, je ne peux pas oublier.
comment cela aussi est arrivé. Un jour, je travaillais, elle m'a appelé et dit, ah, Aboubakar, moi, mon ventre, ça me fait mal encore. Hein. J'ai dit, ok, est-ce que je peux t'envoyer de l'argent qui vient à Conakry? Elle dit, ah, il y a les docteurs à Beaufax, Johnny, qui peuvent faire l'intervention. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il y a trois morceaux, j'aime pas écouter les trois morceaux. Celui de Sadio du Mali, et Salif Keita, et Soul Banks aussi. Nalena, j'aime pas. C'est pas parce que j'aime pas. Le rythme, ça me. Vous n'aimez pas parce que vous évitez d'être triste. Ah oui, un peu. Parce que tout ce que j'ai pu faire pour ma maman, c'est juste. Un jour, je me souviens quand j'ai quitté Bamako en 2003. C'est Salif qui est à mon ami. Maintenant, je l'ai remis juste 200 000 francs. 200 000 francs, c'est ce que j'ai pu remettre à ma maman. Donc, je gagne pas mal aujourd'hui, mais ça me fait très mal. Qu'elle soit pas si tôt. Ouais. Et elle m'a appelé, elle dit bon, ok, j'ai dit bon, hélas, tu peux. Elle dit non. Je peux, oui. Il faut envoyer de l'argent. Ouais, je sais. Ça me fait vraiment bizarre. Oui. Elle dit envoie l'argent. Non, ne t'en fais pas. Je dis ok, je suis venu voir Termit Marapi à ce moment. Je dis papa, maman est malade. Il dit ah, mon fils, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit ah, je sais pas. Celui-là m'a donné 200 000 francs. Il dit garde ça. Je suis venu au studio encore m'asseoir. À l'époque, je faisais des petits montages, des cérémonies. De 11h, j'ai parlé avec ma maman. 11h, jusqu'à 12h, on parlait. Elle est rentrée au bloc 12h15. J'avais écrit. Entre temps, j'appelais mon frère Aziz. Je lui ai dit, ouais, quel est l'état du vieux? Il dit, oui, tout va bien, tout va bien. À l'époque, j'étais sur un film où je voulais postuler à Causer sans France. Le titre du film, c'était La Bague du Diable. Donc, je faisais la réalisation. Donc, depuis ce jour encore que j'ai laissé ce film, jusqu'à présent, je n'ai même touché le film. Maintenant, le film là est mort. Ça existe, mais je n'aime pas. 15h, j'appelle mon grand-père. Il dit, oui, elle est sortie du bloc, ça va, tout va bien. J'ai dit, bon, ok. Je pouvais venir, si mon frère m'avait informé, oui, tu peux venir. Je pouvais prendre un taxi pour voir ma maman juste pour échanger. Mais ils m'ont fait le coup jusqu'à 19h. Qui m'appelle, c'est mon oncle qui n'a jamais l'habitude de m'appeler. Jamais l'habitude de m'appeler. Je prends son numéro dans mon téléphone. Je commence à appeler. Il dit, tu es où? Je dis, je sais que ma maman, elle ne veut plus. Il dit, pourquoi? Je dis, non, ma maman est partie. Il dit, quoi? Qu'est-ce qui t'a fait? Je dis, non, tu ne m'as jamais appelé dans ma vie. C'est que ma maman est décédée. Parce que c'est lui. Je vais marier ma maman quand mon père est décédé en 1994. Du coup, j'écoutais, j'ai passé toute la nuit et toute la journée à écouter le morceau de Salif Keita. C'est lui. Quand il sent que c'est lui, à chaque fois que j'écoute le morceau, mes larmes coupent. À chaque fois que j'écoute. Vous vous souvenez du décès de la maman? Oui, oui. C'est-à-dire, je vois ma maman devant moi. Quoi. Maintenant, quand on partait à Bofa aussi, le taxi qu'on a emprunté, le gars, on dirait que comme il a enregistré tous les morceaux de Sadio du Mali, See you tomorrow, everybody, see you tomorrow. Donc je n'arrêtais pas de pleurer. De Conakry jusqu'à Bofa, je pleurais. Et c'est le même morceau encore qui continue. À chaque fois, il met la cassette, c'est le même morceau, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de CD. À chaque fois qu'il m'a dit, ah, je ne comprends pas ma radio aujourd'hui. Et c'est ce que j'écoutais. Et quand j'écoute Soul Banks aussi, à chaque fois, bon, on arrête, c'est bon. Que son âme repose en paix. C'est très dur de perdre sa maman, c'est très dur de rester orphelin de mère et père. Il est orphelin aujourd'hui de mère et père. Thank you.
qu'est-ce que t'as marqué de plus? Ah oui, c'est bien. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que j'ai travaillé dans plusieurs médias. Ça m'a donné de l'expérience. J'ai fait pas mal de stages. J'ai travaillé avec Africa de 2010 à 2013. J'ai travaillé avec la RTGE2 Boulbinet de 2006 jusqu'à de nos jours. Je continue à travailler avec les deux RTG. J'ai travaillé avec Chine Nouvelle de 2012 au 2013. J'ai travaillé avec, j'ai été le premier responsable du montage caméra à Evasion Guinée. C'est nous qui avons commencé à installer à Evasion. J'étais là-bas. J'ai travaillé avec eux. Pas mal de médias et Reuters aussi. J'ai trois enfants. Oui. Et ça, je commence par bien. La. Ça. Viens. Venez. Venez. C'est lui qui nous a fait prier. Lui, c'est. Le premier. Le premier, Mohamed Swahib Souma. Mm-hmm. Lui. Il y a deux photos. Oui. Nabi. Okay. Lui, c'est Nabi Soumayata Souma. Elle, c'est Aïcha Lafidine Souma. Non, Lafidine. Non, Lafidine. Lafidine Souma. Vous m'avez dit, Lika. Aïcha Lafidine Souma, celle qui porte le nom de ma maman. Et c'est lui qui nous a fait prier aujourd'hui. Oui, c'est lui qui nous a fait prier. Avec l'éducation que vous devez donner aux enfants et le métier que vous faites, comment vous faites pour aménager tout cela? C'est simple. Moi, je n'ai pas le temps avec eux, mais j'ai pris deux professeurs. Un professeur de français et un professeur d'arabe. Quand l'autre va, le second arrive. Donc, les enfants sont occupés. Et quand je viens, je les contrôle aussi. Quel que soit l'air, je regarde leur cahier. Heureusement, je comprends l'arabe, je connais le Coran. Dès que je viens, je dis, prenez vos livres, on va voir. Parce que c'est ce que mon papa m'a toujours dit. Pourquoi tu le détestes? Qu'est-ce qu'il fait à Dieu? C'est qui te pousse à le détester. Mais il faut parler, c'est la réalité. C'est faux. Si il te dit de ne pas sortir, tu t'énerves pas. Mm-hmm. Tu t'énerves pas. Mm-hmm. Donc tu restes à la maison. Mm-hmm. Moi, Nabi, Anansi n'a pas maintenant pour faire. Moi, maintenant, on peut le faire. Dis. Ah, vous m'appelez dans la cachette. Toi, téléspectateur, vous avez compris. Ah, vous n'avez pas parlé. M'appelez à la cassette. Ah, mais faut que. C'est téléspectateur, aidez-moi, m'a rappelé à la cassette. Allez, mallette. Allez, mais il y a les mallettes ici. Ah, ma, les mallettes qui est là. Deux. S'il te plaît, ton papa, il danse très bien. On a comment il danse? Comment il danse? S'il te plaît, s'il te plaît, mon mec. Ça, ce sont les pas de M. Souma. Tu veux devenir quoi dans l'avenir? Footballeur. Quoi m'appeler? Moi, mais vous l'avez fait. Bête. Il va bête, il va. Moi, allez. Oh, on va. Il y a maman. Il y a l'onni la mamana, l'onni la. Araponka l'onni, imama gae l'onni la. Il y a l'onni la mamana, l'onni la. Araponka l'onni, imama na l'onni la. Dinanira ngatoma l'onni la. Ine binde beria nafantoma l'onni la. Haramenira ngatoma l'onni la. Ine binde beria nafantoma l'onni la. Il est l'onni la rebou mané awalima. Araponka l'onni, omama gae l'onni la. Il est l'onni la mamana l'onni la. Araponka l'onni, imama gae l'onni la. Dine moussoare, imama gae l'onni la. Abou sane, imama gae l'onni la. Bakari sane, imama gae l'onni la. Nagakali sou sane, imama gae l'onni la. Saranke belema, imama gae l'onni la. Hedi un kumfan, imama gae l'onni la. Araponka l'onni, imama gae l'onni la. Maintenant, je vais vous faire des bêtes en ruche. Oui. Mais qui compte en mener Tias Bot? Tias Bot. Tias Bot. Tias Bot. Mais nous n'avons pas là. On a mangé les dix. Les femmes. Voilà, Tias Bot. Tias Bot. Kik. Tias Bot. Tias Bot. Voilà, on est dans. Tias Bot. Voilà, on est dans. Tias Bot. Bon, d'abord. Tias Bot. D'accord, vous êtes. Tias Bot. Comme les. Tias Bot. Comme les. Tias Bot.
Salam Lei, Amélie Menanuna, Sigafé Maka, Aéroport, Rafa Tourorira, Anoum Kankanla, Anoum Doukiri, Arale Regre, Maka Borima, et la même année, Imam Nagala, Tourorini, Bore Imam Fa, Wanarunda, et là d'avion qui, et là d'or des pays, et là d'or, et là d'or, la baïka, la baïka, pour un an à la vie, Kankanla, alors voilà. Non, tu ne chantes pas. Pour savoir bien que mes enfants, on travaille à la maison. C'est les futurs qu'on a créé nouvelles, Inch'Allah. Et ils ont leur rubrique. Mais je me réserve de dire et de dévoiler le secret. Bientôt, ils vont animer le coin des enfants. Tu as quoi à dire? Mais dis en français. Ah, ouais, il y avait un petit, il est riche. Non, je ne sais pas. Il donne l'argent, il dit non. L'argent, non. Sa maman d'aujourd'hui, il n'y a pas de passe. Quand sa maman passe, il dit ma fanko. Ma fanko. Ils ont nommé c'est ma fanko. Ah, c'est comme ça. Ça, c'est l'histoire de ma fanko. Ah, pour qu'on a crié aussi. Qu'on a crié, ils sont partis voler à la banque. On a attrapé crié. On a attrapé Kona. On l'a attaché très bien. On a enlevé sa peau. On a attaché sa peau à part. Quand Kiri passait, il a dit oh, il connaît la Kirito. Ah, mon bête. On va laisser Aboubakar Soumaki. Kadi, tu seras sanctionné pendant. Il n'y a pas de problème. Cette base sera sanctionnée. On Mohamed sera sanctionné. Tout le monde sera sanctionné. Tous les jours, on a annulé pour travailler et tout. Aujourd'hui, on a refusé d'aller l'accompagner. Moi, j'ai annulé tous ces rendez-vous. Alors, pour terminer l'émission, Mohamed Ralanama Randibidimbe. Rabbana Atina Fidunia Hassanatan Fila Rasanatan. ربنا تقبل منا اتمن لنا نورنا واغفر لنا لنكوننا من الخاسرين اللهم انت ربي لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذو الجلال والاكرام يا حي يا قيوم انا نسالك بان تغلي لنا خبائز وان ترزقنا رزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا صالحا اللهم اعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل ودلع الدين وغلبة الرجال وزد لنا في امرنا يا الله يا رحمن يا الله يا كريم ما رجي هم غبر فين دندنا نيرا مغما كل موليرا اغا كني كني مما يفري نغنا الدنيا كون كون يغا بانا نغتا فري بابا تافري قبيله فري نغي بريم بلا بلا alaga ya fe may sungor kiki gormana manga ya rabbi ya rabana altalaga manga ya qania nima alaga lailatul qadr fi wa malaga lailatul qadr ko fi wa wasaraga na gamba fi wa narakil fi miskina na khafima mbalaga tan saraga tungu namiyum me gormara ya rabbi ya rabana ya allah ya rahman ya allah ya karim ya allah ya rahman na ghi furaghi serimi alaga serifi ma na ghi do qamata qamata ban konto fili ne mala qamata konto fili be ma na ghi wa ma do fi qamata sone ya rabbo insanu maqama ra alaga rabbi be manga ya rabbi ya rabana wa isga ma marigi malogo na khasa wonti algiama fili masirat fala wonta ngal yama ya gima ya rabbi ya rabana wonta na ri fambara tun war sun gori sun wonnu de na sun yala ne mu yama to far fa wonta na ba bala ya fa ne ma ala kan ma sai won fa ya rabbi ya rabu ma bo ala gara tanga yufru kobi ala kan ni won ma bo ira ya rabbi ya rabana subhana rabbil izati amma yasifuna wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ma'lumun ganda ge